À Dzopé Commune, région de la Niébi, les candidats élaborent des stratégies pour convaincre le maximum des électeurs. Au quartier Massandji 1, séance de travail avec des jeunes pour le candidat indépendant à Monkou Akpo Antoine. Le maire doit s'attacher à mettre en œuvre tout ce qui est l'environnement social en termes d'infrastructure. Infrastructures, les routes, les caniveaux, et il faut aller chercher des ressources additionnelles hors d'ici, par les partenariats, par le truchement des jumelages auxquels nous allons nous atteler. Que ces élections se déroulent effectivement dans un climat apaisé. Autre décor, le quartier général du candidat PDCI Moné Gbocho Marcel, où l'accent est également mis sur la jeunesse. Nous pensons d'abord à notre jeunesse, c'est la relève. Nous sommes dit que compte tenu de la situation difficile de l'emploi, qu'il était bon, sur place, de chercher à créer, de revaloriser ce qui existe. Les invités à l'élevage, à l'agriculture, aux maraîchers, la mairie est prête à les subventionner. À l'endroit des autres candidats, leur demander de mener une campagne apaisée. Les élections, ce n'est qu'un jeu. Au total, 5 candidats, dont 3 indépendants, un RDR et un PDCI, s'affrontent à Dzopé Commune.